année 2018 là, nous proposons donc pour visiter différents ministères. C'est une occasion pour nous capables d'assurer suivi action gouvernementale là. Hier, nous avons eu l'occasion de visiter quatre ministères, notamment le ministère du Commerce, le ministère de Jeunesse et Sport, le ministère des Services à l'étranger et le ministère de la Défense. Jeudi, nous avons déjà visité le ministère de la Planification, le ministère du Tourisme, nous le ministère des Conditions féminines. Donc, ça permet nous tout pour nous capables de visiter local, parce que, par exemple, quand pile dans local, c'est local qui est en location, ça coûte l'État ici un paquet de cobres. Donc nous faisons brasser l'idée avec le ministère. Tel n'est pas le cas pour le ministère de la condition féminine, mais il y a un ministère qui a dépensé un paquet de cobres, tandis que l'État a essayé quand même de faire des efforts pour nous voir dans quelle mesure que nous sommes capables de loger le ministère SAO dans des immeubles qui sont beaucoup plus appropriés, qui répondent à toutes normes parasismiques, mais qui aussi propriétaire. Et faire de route ça, c'est eux-mêmes qui permettent que le ministre les mener un certain nombre d'actions. Donc ça permet nous-mêmes, comme chef de gouvernement, garder évolution faire de route ça avec le ministre, de sorte que pour nous capables de bailler la population beaucoup plus de services. Donc visite ça, c'est une visite qui est très importante pour nous, côté que nous faisons visite tête à tête avec chaque ministre. Bien sûr, nous comptons faire genre de visite ça, que nous venons dans la primature, là, je vous dis, nous-mêmes, nous venons au niveau de différents ministères ça, pour nous cacher avec les ministres, pour nous capables, n'est-ce pas vrai, assurer suivi des différents dossiers, qui sont des dossiers très importants. Après-midi, c'est avec un sentiment d'honneur, rempli de satisfaction, que nous recevons le premier ministre là, dans le local ministère conditions femmes et droits femmes. Il faut qu'on dise que trois mois après l'installation dans le ministère, dans la rencontre que nous avons gagnée avec le premier ministre dans le bureau, j'ai été prié, j'ai demandé pour venir rendre le ministère là une visite pour le cas où, tout d'abord, dans les conditions que les cadres du ministère logés. Naturellement, en plus le travail que nous avons gagné pour le faire de part et d'autre, pas permettre pour répondre à l'invitation ça que nous avons fait là. Mais ma visite bureau, moi j'ai senti comme l'ouvrir. Parce que tout d'abord, moi j'ai besoin du ministre de venir qui côté, quel cadre, plus fort cadre dans le ministère à loger dans des abris provisoires, qui là, depuis après le tremblement de terre là, en 2010, je dis à nous, en 2017, abris provisoires. Planche plywood, pas qu'à qu'un de col ou encore. Le lavis, c'est problème. Le baguette courant, c'est problème pour cardiologie, pour capriter dans la place, pour cap travail. Mais là, il ne s'agit de ça seulement. Parce que, en fait, dans le rapport, nous toujours bâillons le ministre, le premier ministre, pour nous dire, mais évolution, feuille de route, que nous te remettons. Il vient chiter avec nous pour nous connaître. Qui ça qui fait en la feuille de route, là? Qui contrainte que nous gagnons en même temps qui perspective. Et je pense que bon petit rapport ça y est. Lui dit, nous promettons pour toujours continuer parce que ce n'est pas seulement rencontrer dans le Conseil des ministres, ce n'est pas seulement le ministre descendre dans la Cali comme moi-même, je promets quatre ministères, je promets dans la direction départementale, je promets l'organisation familiale pour ne pas seulement recevoir dans le bureau. Pour moi, descendre, aller sur le terrain avec eux, c'est ça que le premier ministre a fait. Il a eu le temps côté que nous rendre visite à plusieurs ministères. Donc, dans la discussion que nous avons maintenant avec le premier ministre, qui gagne pour que nous puissions avoir un avenir correct, satisfaisant, qui permette que nous fassions travailler correctement. Nous avons parlé tout de budget que le ministère a gagné, alors que nous connaissons que nous représentons 52% de la population qui est majoritaire. Et que moi, je dis que si chaque jour, je quitte le ministère, non, que je quitte la 5h de l'après-midi, que je quitte la 6h, bien des fois à 9h du soir, toujours il y a un groupe de mesdames qui viennent là, qui ont deux cueillots grands, qui n'ont pas qu'à manger, qui n'ont pas qu'à payer, qui n'ont pas qu'à venir pitié à l'école, alors que nous n'avons pas gagné un fonds pour ça, nous n'avons pas gagné subvention, les subventions sont au rouge. Donc c'est tout ça, nous discutons avec le premier ministre, non, et nous discutons avec lui tout, dans ce sens-là, comment pour nous mettre
et travailler ensemble pour nous mettre les unités de gens en dedans chaque ministère qui pourra permettre nous arriver à élaborer ça qui est un budget sensible aux gens pour l'exercice 2018-2019 là, un budget qui pourra prendre en compte besoins spécifiques femmes et garçons pour que les femmes aient un problème, pour pas seulement venir traîner, venir crier devant le ministère condition femmes qui n'est pas capable de répondre à problème. Mais si chaque ministère mettait un bagage à part pour besoin femmes, besoin garçons, qui prend en compte besoin femmes, besoin garçons, le ça, nous pourrons vraiment donner une société équilibrée, une société juste, une société égalitaire, côté que besoin femmes à prendre en considération, besoin femmes à prendre en considération, besoin garçons à prendre en considération, pour que tout problème ne pas tomber seulement sous le ministère femmes qui n'est pas capable de répondre à tout problème ça où femmes gagnent la société. Mon cher, il y a un peu d'espoir, il y a un peu pour qu'on retire le ministère à côté que l'IA, a. Pendant qu'il a construit un gros bâtiment pour un pile d'autres ministères, pour le ministère conditions féminines, car j'en ai un espace décent pour qu'on loger cadre. Et il y a un problème que nous discutons tout, parce que dans la feuille de route, nous, il y a demandé nous pour nous faire discrimination positive dans ce qui est regard à ce qui est préparé ordinateur, mais il y a un moment côté que si vous avez supposé graduer dans la fin de mois, ça même. Mais cependant, l'argent que nous avons qui dispose pour ça finir dans le menu, promet un gros coup de pouce. Et le programme, ça lui dit que nous promettons que nous avons établi sur tout le territoire. Côté que pour nous faire, pour nous établir, ça rentre dans la question de politique égalité entre femmes et garçons. Quand nous avons des barrières, des filles pour apprendre tel métier fait pour filles, tel métier fait pour garçons. Donc ce sont des barrières que nous-mêmes, nous avons essayé de briser à travers cette politique d'égalité qui existe entre femmes et garçons. Côté que nous avons essayé pour nous laisser à construire une société où les femmes et garçons ont gagné même droit aussi, même devoir, côté que la fête bon pour tout le monde vit, pour la démocratie. Cablage tout bon vie dans la société. Soit pour toute femme en 2018 là, je dis un petit bagaille. Premièrement, je veux dire toute femme qui a gardé mon côté, que le ministère condition femme et droit femme, c'est un ministère qui est créé pour faire promotion, pour faire respecter les droits femmes dans la société. Je dis que je travaille pour vulgariser la politique d'égalité entre femmes avec garçons. Et me dit yo, je vais compter sur moi. Je ne peux pas permettre de faire des bagages individuels pour chaque monde, parce que c'est difficile. Mais je travaille pour faire des bagages visibles, des bagages palpables pour ce secteur-là, pour femmes. Pour demain, pour nous faire plus de femmes qui viennent dans le Parlement. Pour nous faire demain, plus de femmes dans le poste de décision. Pour ça, il y a une société qui est bien bâtie comme ça. Une société côté que droit femme, droit garçon respecté, le star, besoin femme, n'a pas suspendu plein, pas de plein vraiment, côté que femme a venu devant le ministère, vous comprenez, a venu plein, pour qui, a venu de plus bon, mais le star, n'a pas de femme en bas parlant, qui a fait politique, n'a pas de femme dans l'espace de décision, qui a pensé le sujet, les diriger pour femme, les diriger pour garçon, et leur femme de la main, c'est tout le monde qui bénéficie. Nous avons constaté que depuis hier, Gota qui maussade au niveau pays d'Haïti avec activité l'appli un peu partout. Qui ça qui explique ça? C'est parce que au niveau atmosphère, nous, pour le moment, nous avons une masse d'air froide qui rentre, ça nous relève un front météorologique et aussi qui accompagne avec une zone de basse pression qui chita dans le sud-ouest bassin Caraïbe. Donc, système ça, nous mettons ensemble, mais en plus, nous avons l'autre paramètre météo qui est en cours. Qui est au niveau canal du vent. Donc, c'est trois paramètres qui mettent ensemble pour porter beaucoup, beaucoup d'humidité au niveau région. Donc, ça permet à ce que dans pile nuage convectif, quand nous parlons de nuages convectifs, ça veut dire des nuages porteurs d'averse, nuages qui sont capables de permettre à ce que en pile la pluie tombe sur le pays d'Haïti. C'est ça que nous gagnons comme condition météorologique. Fond pour le moment, il est au niveau partie centrale Cuba et il a dirigé au niveau pays d'Haïti d'ici à soir. Et tendance la montre que aussitôt que font les rentrer près surface alors face à l'ouest pays d'Haïti, les capables venir en tige stationnaire, ça veut dire
là. Donc c'est ça qui est déjà plus inquiétant, qui peut permettre à ce que l'activité la priorité tendue au niveau pays d'Haïti pendant l'après-midi, à soyant demain. Et nous espérons à partir de ce la pluie qui continue à tomber même dimanche, voire en début de semaine prochaine. Et la pluie, ça y est, c'est des pluies régulières. Ce n'est pas des averses spontanées comme on était, nous avons de fortes averses, mais c'est plutôt une pluie régulière. Ça veut dire la pluie qui prend tout le temps pour lui tomber et permettre à ce qu'il y ait des débordements des rivières et produire, ça nous relève, inondations classiques. Ça veut dire inondations lentes au niveau de quelques régions. Donc, situation, ça permet à ce que nous restions très vigilants au niveau Service national météo pour nous suivre l'évolution des paramètres météo. Et diffuser bulletin autour pour le public là et inviter à rester très très vigilant, surtout pour les gens qui vivent dans une zone à risque, inondation, éboulement avec glissement de terrain. Gagner conditions maritimes tout qui pas tranquille, surtout au niveau côte nord, même au niveau golfe de la Gonâve avec côte sud pays, c'est des vagues qui montaient plus de 9 pieds. Et dimanche, n'a pas tant encore une mer qui a vraiment déchaîné au niveau côte nord, avec des vents qui ont dépassé 50 nœuds. Donc là, on a demandé vraiment pour capitaine Embarcasoyo pour être très vigilant et nous sûr que instances concernées comme Semana a pris des mesures pour mettre interdiction au niveau cabotage pour côte nord et voir et d'autres zones qui sont capables d'affecter par paramètres météo. Donc, on a prêté à suivre l'évolution de temps et permettre à ce que la population soit informée par rapport à conditions météorologiques. Là. Depuis plus de 48 heures déjà, Peter gain un système mauvais temps qui est installé sous pays d'Haïti. Et en gros, mais c'est un fort froid qui a descendu sous pays et qui crée toute perturbation. Je nous connais le ministère intérieur, en tête collée avec direction protection civile, pas prêté bras croisés. Depuis un mauvais temps, je dis, avec dégradation environnement, avec toutes conditions, même deux gouttes la pluie, j'en nous tout compte dit là, eh bien, risque inondation majeur. Et je dis, il a parlé pendant période ça, pendant tout le week-end, il prévoit de tirer la pluie par intermittence par, dans diverses régions dans le pays, qui risquent de tomber et certainement avec des gros conséquences tant qu'inondation sous le pays. Donc, dans le cadre de ça, nous-mêmes, dans le ministère intérieur, à travers la direction de protection civile, nous avons commencé à prendre disposition pour nous informer le grand public là, de danger et que disposition pour nous prendre face à la pluie, ça. Et ça a fait, ça a commencé fait déjà. Dans ce sens, il y a un coup qui est partiellement activé. Et là, il y a une sensibilisation qui a fait sans arrêter jusqu'à ce que et mauvais, nous sortions dans une mauvaise période, ça, mauvais temps. Il y a un pile note pour la presse tout qui fait et qui peut continuer à faire. Il y a des instructions qui passaient à tout coordonnateur technique départemental de protection civile, yo. Particulièrement ça qui est dans le Grand Nord, yo, qui est dans le Sud, qui est dans le Nip, qui est dans le Grand Danse. Et nous demandons de suivre les instructions depuis 24 heures pour informer, sensibiliser la population, particulièrement la population qui est dans la zone à risque. Yo. Parce que moment la pluie ça a entraîné de plus passer 30 à 50 mm la pluie par dans certains côtés dans pays. N'a demandé tout élu locaux, yo, m'vle parler de magistrats, yo, m'vle parler de kazek, yo, m'vle parler de azek, yo, avec délégué de ville, yo. Nous mande pour tant prix pour te coller avec nous pour fait que message sensibilisation ça arrivé dans côté qui pi reculé tout côté qui que protection civile estimé qui a risque particulièrement dans zone côtière côté la mer a ka monter ka déchaîner ka gain inondation et ben nous mandé rete tant consigne si gain consigne pour délocaliser moun sa yo. Mais il faut arrêter à l'écoute nous
pour ça arriver fait comme ça doit. Très bientôt, ça commence à fait et ça va continuer à fait. Il y a des messages qui parlent fait à travers téléphonie mobile. Yo. Qui parlent de différents messages qui parlent conjoncturels, qui parlent bail à chaque fois que mauvais temps a évolué. N'a été vigilant pendant que n'a suivre minute par minute, seconde par seconde, évolution mauvais temps ça dans le pays, particulièrement dans le département que nous avons cité. Et pendant que nous avons une surveillance particulière pour zone côtière nord-ouest avec NIP, parce que j'en ai gardé fond, nous voyons que c'est plus partie l'ouest pays, alors nord-ouest et sud-ouest pays, et golfe de la Gonave, c'est côté ça, nous voyons qui est beaucoup plus ciblé. Certainement, dans le rôle prévision, dans le rôle responsable d'État que nous gagnons, eh bien, certainement, nous déjà placé des commandes parce que pour acquisition dans le cadre matériel, à équipement, dans le cadre prépositionnement, stock et matériel d'intervention. On a rappelé que fond ça, perturbation météorologique ça qui gagne là actuellement, il pral renforcer, doubler de en nordé qui va venir à partir de demain si Dieu veut. Nordé à lui-même c'est mauvais vent, vent qui parle souffler à plus de 40 km à l'heure, qui parle souffler et qui certainement parle rendre tout cabotage, navigation difficile. Dans les minutes qui suivent là, supposé qu'on note officiel de Semana qui a interdit toute activité cabotage au bail en quelle mesure pour concernant activité scolaire yo il a continué normalement vol locaux yo en provenance ou à destination de tout aéroport dans pays a il a maintenu jusqu'à nouvel ordre et en attendant justement que données ont changé. Nous voulons, ministère intérieur et collectivité territoriale, vous rassurer la population quant à disposition que le gouvernement, administration Moïse Lafontaine prend déjà pour assister la population pendant toute période. Ça. Par rapport à département qui sont censés plus concernés, nous voulons parler de Grand Nord, Sud, Nip à Grandance. Nous comptons en pile sous support habituel, compétence et dynamisme, direction protection civile pour aider nous et préserver chaque grande vie, chaque haïtien, chaque haïtienne. Nous mettons compte sur nous mettons compte sur le ministère intérieur et collectivité territoriale, nous mettons compte sur la direction protection civile avec toute élus locaux, j'en habitué Feli pendant la période ça. Pendant que nous avons invité la population, restez vigilants, restez à l'écoute des messages qui ont baillé pendant toute évolution au temps ça. Nous demandons pour tout le monde qui était dans la zone à risque, tout le monde qui était dans la zone côté que tu es capable de déboulonner, ça a fait éboulement, tout le monde qui était dans le côté qui est capable de gagner inondation, pour appliquer vigilance. Et aussi pour nous capables coûter différentes consignes que direction protection civile à travers le ministère intérieur a bien pour communiquer. Particulièrement, nous avons demandé à tout le monde qui était dans la zone Sahel et qui a risque de type de pour préparer si vous avez pour évacuer à ce moment-là autorité responsable autorité protection civile de zone Sahel a bail instruction et à ce moment-là pour capable appliquer instruction et suivre ça veut dire pour faire. Et nous demandons tout le monde pour sécuriser tout matériel, tout les papiers tout important, tout médicament avec bagage que vous avez besoin dans le moment et que l'intempérie va passer pour ne pas prendre de l'eau, pour ne pas perdre l'eau. Parce que très souvent, lors nous avons une inondation, le gros problème, c'est le fait que mon qui victime sorti perdu matériel ou des bagages qui est important que vous avez besoin pour capable continuer l'activité, activité qui est vitale pour vous.
Nous avons insisté encore sur le fait que l'activité cabotage est interdite à partir de l'après-midi. Nous travaillons déjà avec Semana sur ça et Semana va sortir une note. Nous demandons à tout pêcheur, tout le monde qui a fait cabotage autour de côte île d'Haïti pour camper l'activité jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'effectivement, pour gagner la roue, nous allons gagner le phénomène nordais qui a commencé à partir de demain. Et nous avons des vents de 40 à 60 km à l'heure. Nous avons des vagues qui ont monté jusqu'à 7, jusqu'à 8, jusqu'à 10 pieds, qui peuvent rendre la mer difficile pour pratiquer. Donc à ce moment-là, nous avons aimé que tout le monde qui est habitué à faire opération ça, pour le moment, font camper en façon pour capable éviter les malheurs qui sont capables d'arriver si elle aventurer tête dans la mer. Mon qui est bateau, s'il vous plaît, marrez bien, sécurisez en façon pour si de l'eau monter, si inondation fait. Pour ne pas perdre du matériel, nous, matériel de pêche, matériel et bateau, diffuser message au maximum dans la radio, communautaire et même dans le téléphone mobile, Jean-Ministre a annoncé là tout à l'heure. Nous demandons tout le monde éviter marcher à pied ou bien à moto dans le côté qui est inondé, parce que ça c'est danger que lié. L'entrée corps ou de l'eau qu'on parle en balle, n'importe qui ça capable de briver. Si il y a l'orage ou bien vent violent, particulièrement dans une zone qui est en altitude, pas arrêter bon fenêtre, pas arrêter en bas pied bois, faire attention justement pour ne pas exposer nous à risque côté l'orage ou bien justement et si vent lâcher pied bois ou bien lâcher tol pour ne pas bailler et pour pas blesser ou bien atteindre monde. Nous demandons à toute population tout éviter faire déplacement qui pas essentiel, qui pas urgent, essayer de limiter et déplacement haut parce que route est difficile. Pour aller bouillon, nuage pour aller descendre, donc visibilité pour aller diminuer. Et enfin, ce qui est important, extrêmement important pour nous, c'est suivre conseil que non seulement protection civile au niveau central a bien pour communiquer, mais surtout ce que autorité régionale, départementale et locale a bien pour bail ou qui couvert sur tout le pays. Là, continue à évoluer, même lorsque nous parlons l'appui, nous l'appui cap la cap à l'évini, je madame Selom te dit là, et l'appui à l'évini ça pour le fait que le sol va saturer et provoquer une inondation. Donc, même si nous voyons que quand il couvrir, l'appui n'a pas tombé, ça ne veut pas dire que le problème ne résout pour ça. Nous étions suivis radio, nous étions suivis télévision et nous avons porté de nouveaux conseils pour nous que la situation a évolué. Pour moi, pour être capable de parler dans nos magistrats en tant que porte-parole, pendant que l'on excuse le fait qu'il n'est pas capable de présenter la cérémonie, puisque l'on empêché et l'on a annoncé, voici un idée que malheureusement, pas qu'en Haïti pour être capable de recevoir le nouvel archevêque là, et l'on excuse dans ce sens-là, parce que l'on connaît qui ça, Jodia, symbolisé pour nous-mêmes, fidèles catholiques, qui fait partie de l'archidiocèse Port-au-Prince. Dans ce sens, à Gessa, magistrat Ronny Collet voulait montrer engagement de côté de l'Église. À Gessa, magistrat voulait montrer volonté pour capable continuer le travail pour le développement commun de Mouquet. Pas seulement sur le plan social, infrastructure, santé, loisirs, éducation, mais tout pour faciliter chaque citoyen dans la commune. Vive la croyance, l'amour de la vie. Excellence, Monseigneur Max Leroy,
les Idor, mon père l'archevêque Port-au-Prince, dans nos magistrats Ronnie Collet, mardi, bienvenue par Bonti Capilac avec nous, dans ce croix des bouquets, c'est la calme. Parce que nous-mêmes, peuple croix des bouquets, nous-mêmes recevons le monde. Nous-mêmes, nous aimons le monde. Mon Seigneur, encore une fois, la Dieu, que vous la caille. Dans ce sens-là, on est prêt à être là pour être capable de continuer à accompagner dans la nouvelle mission que vous gagnez pour être capable de gagner chaque grand fidèle dans l'archidiocèse là pour être capable de chercher grand maître là. Magistrat Ronicolet, je dis merci spécialement à différents curés, différents paroisses dans la commune qui peut chita ensemble avec lui pour être capable d'organiser grand événement ça. Qui mobilise belle fidèle ça ou là qui je dis à la pour capable recevoir nouvelle archevêque ça. Maman, s'il vous plaît, on vous remercie. Différents curés qui là avec nous, permet qui fait des placements pour que nous puissions capables de faire nouveau ça. Alors applaudissez s'il vous plaît. Merci à chaque fidèle. Parce que nous avons quitté la depuis à 9h, mais qui pas jeune dépatienté, qui était là, parce que nous étions avec la foi, pour être capable de nouveau pasteur nous, lui-même qui peut adhérer pour être capable d'accompagner nous dans l'archidiocèse Fort-au-Prince. Merci, merci, parce que son geste d'église nous fait, c'est la foi nous a manifesté, mais d'accueillir pasteur nous comme ça. Je me dis, nous, moi je ne pas reprendre ça tout le temps. On est à toute bonne disposition pour nous compter sur la grâce, mon Dieu. Pour nous compter sur la collaboration, tout pays, tout même, tout laïc engagé. Pour nous faire une mission, mon Dieu, confie nous, annoncer l'évangile de délivrance là, l'évangile vérité, l'évangile la vie. On a une possibilité pour nous passer dans toute paroisse qui sont des porte-parole à dire, nous allons passer quoi des bouquets, nous passer dans la commune. Pour mettre mon petit café, je vais dire le café à force via deux mains pour qu'il fait tout. Alors, ma pédé, et me préparer, je vais mettre mon petit café, je vais manger mon chauffeur ensemble dans la formation. Je vais demander de mettre là pour le délivrer. On peut dire que nous sommes venus, 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 nous Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Amen. Que l'Esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez, et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonsoir et bonsoir. Merci. Commencer travail de concert avec le Sénat pour que tout préparatif fait pour lundi qui c'est tradition constitutionnelle nous deuxième lundi de janvier mais ouverture en Assemblée nationale de première session dans troisième année législature qui c'est 50e législature là l'arrivée faite donc on s'agit des dispositions qui commencent prendre on va dans la cour. Nous avons beaucoup moins d'employés parce que nous avons disposition formelle que nous prenons pour nous recevoir, surtout employés que nous allons utiliser pour l'Assemblée nationale.
même gens tous ou aller dans salle séance là, on pourrait que li vide parce que d'habitude les gars assemblée nationale c'est pas bureau, donc c'est chaise, et surtout que première session, on connaît que n'a recevoir non seulement le président de la République, n'a recevoir le premier ministre, n'a recevoir le corps diplomatique, n'a recevoir en pile l'autre parti politique, n'a recevoir d'autres invités de marque. Donc ça m'a dit pour gagner une disposition qui prend, surtout le niveau sécurité, surtout le niveau salle de séance là. Donc pas oublier, c'est nous-mêmes qui recevoir, députés et sénateurs. Donc ça fait toute disposition, ils ont commencé à partir de nous-mêmes. Et moi-même en tant que secrétaire général au niveau de la Chambre des députés, donc mon travail de pair que m'a fait avec le secrétaire général au niveau du Sénat de la République, donc les deux présidents, président Chambre députée avec président Sénat, il y a des dispositions que... Non, si c'est pour prêt, pas gagner trop de tracas, parce que dispositions que nous apprenons là-haut, c'est des dispositions coutumières, c'est bagaille que nous habitués avec eux déjà. Donc déjà, salle de séance vidée, il y a une compagnie qui travaille là-dedans. Donc compagnie, non seulement pour faire propreté, mais en pile fois où est que ils ont changé toute chaise qui est dans eux, et le plus souvent c'est une compagnie qui est responsable pour capable faire ça. Au niveau de la cour, même disposition pour capable parking, il y a une disposition sécuritaire qui prend déjà, ouais, donc presque tout agent sécurité nous a travaillé, agent de protocole nous a commencé un travail déjà, et je pense que clair, nous avons bien paré. Et nous avons dit prendre disposition même pour nous parler avant lundi. Les invitations au niveau de deuxième, au niveau de ouverture séance en Assemblée nationale là, donc c'est un bagage qui fait, mais c'est comme si m'a dit que c'est une habitude. Même le président, de façon formelle, il n'a pas qu'une invitation, mais il connaît que l'a venu, le premier ministre. Les connaît que l'a vini et toute disposition je prends, mais pas oublier que c'est pas au niveau de la Chambre des députés. Nous avons un bureau qui c'est le bureau du secrétariat de l'Assemblée nationale, donc c'est le bureau exécutif, c'est lui-même qui gagne disposition ça, et c'est sûr que je travaille déjà sur ça. Même penser que ce soit au niveau du président de la République, au niveau du premier ministre, eh bien eux-mêmes ils connaît constitutionnellement président Bralguin pour le présenter par devant la Chambre des députés, le Sénat de la République en Assemblée nationale, pour le capable de faire discours à la nation. Donc c'est clair, au niveau du premier ministre, il connaît que là, il y a une évaluation de bilan qui peut faire. Donc même, il y a déjà en préparation, même là, de façon formelle, le secrétariat exécutif, là, pas tant vous il est là-bas. Et je suis sûr que le secrétariat exécutif Assemblée nationale, là, il y a un travail sur ça. Est-ce que vous avez des menus en menu journée, d'habitude, c'est travail, nous travaillons sous lit, travail de concert avec le Sénat de la République. Peut-être bien des points que nous sommes capables de dire, c'est sûr que nous avons gagné, parce que pas oublier que gagné une session extraordinaire qui n'est pas confirmée. Donc ça va demander pour fermer session extraordinaire de la République, la gagné pour adresser à la nation. Donc c'est autant de points que nous allons gagner le menu. Même là que nous n'avons pas officialisé le menu pour nous dire 1, 2, 3, 4. Mais ça qui peut le faire là-dedans, mais c'est des points qu'on est capable de retenir. Convocation à l'extraordinaire. Le gain convocation à l'extraordinaire, donc le président de la République l'a décidé sous un point fixe ou bien sous un ensemble de points fixes pour les convoquer députés et sénateurs. Mais ça n'a pas dit que le convoque à l'extraordinaire, tout point qu'il a menu de convocation, hein, mais forcément, il a privé passé. Donc, parce que pas oublier, il a été convoqué député avec sénateur, c'est premièrement pour être capable de travailler sur une série d'accords qui te gagnent des problèmes. C'est sûr qu'il y a un travail qui est fait sur eux, parce que c'est des commissions bicamérales entre la Chambre des députés et le Sénat de la République. Il y a un travail qui est fait. Concernant le Conseil électoral, donc une commission qui travaille sur lui. Mais ça n'a pas dit que. Par le simple fait qu'il y a une convocation à l'extraordinaire, mais de façon rapide, donc Chambre députée A avec Sénat de la République là, eh bien, il y a travail et puis finaliser quel que soit le dossier que yo t'es convoqué. Mais le que nous pas fini avec ça qui t'est l'amenu, eh bien, qu'on y a, n'a pas eu de chance, parce qu'on a une session ordinaire pour continuer avec quel que soit point qui t'est fait partie
de convocation à l'extraordinaire. Ou pour moi, idée sur qui ça nous travaille déjà, les différents comités. Presque tout point, il travaille sur eux. Et tant que le Conseil électoral, la Grande Commission bicamérale, le Sénat de la République et la Chambre des députés qui chita sur ça. Mais pas oublier, la Grande Commission bicamérale, en tant que pour joindre, pour finaliser, donc tout député qui fait partie, tout sénateur qui fait partie, c'est des ayants droit ou ayants dans la commission. Ça veut dire qu'il doit être d'accord avec quelque bagaille, qu'il ne doit pas d'accord avec quelque bagaille. Donc c'est clair que lui-même, chita, donc pas qu'on ait un rapport finalisé, mais il y a des dispositions qui prennent déjà et qui permettent que lui fait 2, 3, 4, 5 et plusieurs rencontres. Et au niveau de quelques accords et traités, donc yo bail déjà à commission qui concerne yo pour capable réagir. Mais d'habitude, tout le monde comprend que dès que bon convocation à l'extraordinaire, faut convocation à l'extraordinaire là, étant fini avant convocation ordinaire. Non, ou gen doit gen des points qui en dans convocation à l'extraordinaire là qui pas arrivé voter. Mais... C'est le monde que nous avons choisi pour parrainer une promotion. Mais après qu'il ait fini de choisir, monsieur, pour parrainer une promotion, il était parlé ensemble avec nous, qui ça nous besoin, qui ça pour le faire pour nous. Nous-mêmes, comme étant jeunes, dans la communauté, qui conscient de problèmes, fatra, capron, j'ai vu le cap ici, nous avons dit parrainer, garder qui vient, pour participer ensemble avec nous dans la question de résoudre le problème fatra dans la ville au Cap. Et puis, quand ça compte qu'il y a des prix de banon qui se rejettent de 200 000 gouttes, nous disons bon, on a remettre la mairie comme étant un geste symbolique et aussi un signal pour nous voir par petite ville au Cap, que ce soit mon gars vivant en diaspora, mon gars vivant au Cap. Pour nous dire, au Cap c'est pour nous, au Cap pas qu'à périr, il faut nous sauver au Cap. Parce que moi-même, comme jeune, le plus gros problème que je gagne, c'est le fait que l'on chita ensemble avec mon gars, tout a dit au Cap sale, mais pendant ce temps, c'est au même gars vivant dans la ville là. Et Fatra, c'est pour l'autre côté où sortir financement avec Fatra. Je crois que c'est importé, il importe Fatra. Je pense que dans ce sens-là, nous-mêmes comme mon gars dans la ville là, qui conscient des réalités, ça, nous devons participer pour nous résoudre le problème Fatra dans la ville locale. Comme nous sommes dit, ça c'est un geste symbolique, nous continuons sur le même lancer pour qu'au fur et à mesure, il y ait des activités pareilles comme des étudiants nous réaliser dans la ville là, pour nous sensibiliser. Toute couche de la population pour participer à un problème, pour résoudre le problème. C'est notre cadre et promesse que nous faisons à étudiants, sous demande étudiants, qui leur nous demandent qui coûte main que nous sommes capables de porter, et nous-mêmes nous disons que la ville est extrêmement sale et il est important que nous-mêmes nous voulons participer. Tout étudiant yo voulait mettre main pour yo propter ville au Cap que yo ta aimé gagner un petit moyen pour yo acheter de l'eau, acheter cachené, acheter balé. 200 000 gouttes c'est pas gros l'argent lié, 200 000 gouttes c'est un petit l'argent lié. Et ça problème fatra qui gagne dans ville au Cap là, c'est un problème national lié. Solution problème fatra, ça nous vient faire là aujourd'hui, mais nous vient côté bail là pour les propter espace parce que moi-même l'aime des timoun chaque fois me dès qu'on levé le matin me toujours grand même balé devant porte la caille et journée jodi a li pas normal pour nous même haïtiens dans tout pays a à vivre dans fatra et sous fatra. C'est appel ça, c'est cri du cœur ça que nous venons lancer bay moun nan nou pour que fierté christophienne qui existait dans nous pour les relumer parce que nous capables de refaire l'autre citadelle encore. Président de notre fondation Jean Baptiste, nous remettons par le président étudiant chaque 200 000 gouttes qui c'est participation par nous dans le combat de mettre main pour nous porter ville au Cap.
même souci ça, moi-même, comme étant président pour moi, je suis fier de vous. Je dis à de vraiment la presse pour nous remettre, le maire principal de là, chèque ça, pour dire qu'ensemble, nous pouvons participer dans le combat de Fatra. Moi, au cap. Merci au président qui pensait à communaler pour lui remettre nos chèques de la cruauté par promotion pour propter Villa. Et nous disons aussi merci à Éric Jean-Baptiste qui acceptait avec le président pour faire geste ça. Et les cris qui viennent du cœur sont généralement muets. Nous vraiment émus devant Jessa et nous promettons que, encore une fois, nous allons essayer de faire de notre mieux pour que la ville soit propre. C'est ce que nous aimerions, parce que cette ville-là nous tout dire. Nous avons travaillé pour ça, nous avons aimé ça et Jessa a les droits au cœur et nous avons pris l'effort pour que ça arrive. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Magistrat. Et état d'insalubrité que nous constatons dernier temps ça dans la ville. L'autre institution qui est de nous, c'est le secteur privé qui a un programme pour boulevard, propreté boulevard d'ici 31 décembre et peut-être continuer avec boulevard et lettre A. Seulement ça. À partir de quelle heure, nos populations qui attendent là, qui espèrent et la rue là qui a commencé. Nous pita ou même demain, mais monsieur nous connaît que généralement la mairie par responsable nettoyage ville. C'est SNGRS principal responsable. Nous dit déjà, nous parler de ça, mais hélas, il y a des gens qui ne peuvent pas attendre ou qui ne peuvent pas retenir. Naturellement, l'Amérique a fini en aide à SMCAS Pacifique. Pour au moins nous partager ensemble avec vous, pour nous montrer aussi le monde, même j'avais tout le monde qui est venu, qui est venu, qui est venu, qui gagne savon, pâte, qui gagne brosse, qui gagne déodorant, parfum, qui gagne toutes une certaine des choses. Qui a dit que vous êtes venu tout là? Nous prenons des gens qui sont dans la rue, nous prenons des gens qui sont dans la maison d'enfants, tout ça, nous devons être dans la rue, en orphelinat. C'est-à-dire ça qui fait une fermeture, ça, c'est pour nous montrer que les gens qui sont dans la rue, il y a même importe ça que les gens qui sont dans la maison d'enfants. Nous avons le jouet qui ça nous fait le caractère de ça avec eux. Et ce moment de partage, nous de partage, nous sommes ensemble avec eux, nous mangeons, nous bouons ensemble avec eux, je nous tourne, nous performer, nous chanter, nous partager tout ça parce que nous allons manger ensemble là, nous allons jouer ensemble. Maintenant, vous parlez de bonheur, vous avez dit sur l'activité qu'a fait l'autre année. Chaque année, moi-même, même si je m'allais, parce que l'État même c'est continuité, moi-même, je voulais pour au moins l'autre qui va le remplacer, même si je n'ai pas parlé de MCTV, pour au moins les continuer ça avec ça, pour montrer que nous sommes là, mais qui s'allient. Parce que quand nous sommes là, dans la rue, de la fête de Noël, si nous n'avons pas d'occasion, pas gagné, opportunité pour le fête de Noël. Est-ce qu'il y a un message par rapport à ce processus-là? Oui, le message nous gagne, hein, c'est venir plus près de nous. Comme qui ça a confronté dans la rue, hein, ça qui a besoin d'enfants pour au moins bien ajuster à côté des éléments de réponse, des solutions à Timoun Sahara. Alors, le programme ça a été fait tardivement, je veux dire, c'est 28 et ça qui est à la base de ça. C'est un petit problème de moyens de financement. Et ça fait nous profiter du micro Sahara pour nous féliciter APSI qui par exemple, dans le 6 millions qui vont nous coûter faire aujourd'hui à nos cas. Et vraiment réaliser pour activité ça.
nous connaissons vraiment la fin d'année, toujours un petit bail qu'on a fait pour direction, mais je dis à Maron si a fait, il y a un retard, mais vraiment de gagner. Et il y a un partenaire qui m'a nous coûté pour nous être capable de réaliser grand chose ça va réaliser là aujourd'hui.